C'était pas mal, hein? Juste bien placer des lignes de 4, ça fait du bien. Tu sais, j'ai justement placé 3. J'ai justement switché entre Lucario puis Kikli à la fin. Parce que comme ça, ça me donnait. Ça retardait l'entrave d'un coup d'un coup. Pour me permettre de pouvoir faire mon ligne de 4 qui clique à la fin. Parce qu'il méga évoluait, Lucario. Il restait pas grand chose, il restait à peine un icône, mais puis il méga évoluait. Pensez quand même à ça, tu sais, genre si vous voulez pas que d'autres entraves arrivent, ok, puis il reste un coup, il vous reste un coup. Pensez à utiliser le Pokémon que vous avez utilisé pour qu'il méga évolue. S'il lui reste peu d'icônes à lui transmettre pour qu'il méga évolue, ben, il faut que ça soit la première action qui soit qui a été fait. Ça a bien donné, puis là, ça a bien donné, au moins, yeah. On finit avec 5 coups restants. Hein, quand même, c'est bien. J'avais un peu peur, ça marche pas avec Lucario, mais quand même, je voulais essayer de faire confiance à ce Pokémon-là. J'aurais pu utiliser Dracaufeu X, sauf que j'étais pas sûr. Ben, combattif, vous dites, mais j'étais pas sûr si c'était la même chose que l'échant 75. Qui veut dire qu'il envoie comme deux colonnes de blocs incassables. C'est ça. Sinon, peut-être que j'aurais joué autrement si ça n'aurait pas fonctionné. Mais là, moi, je me suis dit, oh, ben, ça, je suis bien à l'aise. Oh, mais attention, c'est quoi comme cinquième aliment? Des blocs cassables. Oui, oui, oui. Et voilà pourquoi que DNC de type fée était utile ici, vu qu'il est avantagé contre le type ténèbres. Hein? Alors ceux-là qui ont passé à côté de DNC chromatique il y a là, quelques semaines de ça, ben il faudra attendre qu'il réapparaisse une autre fois. Malheureusement pour aller augmenter son talent de renvoi bloc. Bon, deux super talents pour ça ici. C'est bien fun, hein? Deux super talents, waouh! C'est bien beau, ça. J'aime bien ça, ce genre de récompense-là. Mais par contre, pour seulement deux sessions, 5 niveaux max, ça compte dans Cray. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Je pense qu'il aurait dû se forcer encore un peu plus pour nous en donner plus. C'est dommage qu'ils aient pas mis un niveau à quelque part. Ça aurait été bien fun de voir ça. Mais vu que c'est juste Darkrai, ils se sont dit, ah, bon, on remet la même chose, mais on modifie certaines récompenses. Comme les l'échelon 100, tiens, on va mettre ça deux super talents. Puis on va mettre deux niveaux max à partir de l'échelon 150. Puis après ça, pour le dernier échelon, trois niveaux max, tiens. On vous en donne juste 5. Débrouillez-vous avec ça. Puis c'est l'échelon de talent à l'échelon 50. Bon. Sur ce. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve pour l'échelon 200 dans quelques jours.